Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis le général Franco. Cette vidéo s'adresse particulièrement aux citoyens camerounais, le général Valsero. Le général Valsero, beaucoup de courage. Je sais ce que tu ressens en tant que Camerounais, patriote. Moi, j'interviens dans cette vidéo comme citoyen. Rien à voir avec la politique et tout le reste. Bon, moi, je viens de faire. Ma carte était périmée. Voici le récépissé. Bon, j'ai espoir aussi hein, que ça ne va pas faire 2 ans comme je vois mes camarades se plaindre là. Ça fait 1 mois comme j'ai. Donc, c'est encore valide. Donc, j'attends la carte. L'histoire de passeport de Valsero, depuis ça brûle. J'étudie, j'écoute, j'analyse. Je suis les émissions, j'écoute les autres parler. D'autres ont dit, c'est une affaire politique. Celui-ci dit, c'est une affaire de. En fait, comme je vous ai dit, moi je n'interviens pas comme politicien parce que. Franchement, je n'ai pas les facultés pour faire la politique. La politique, vraiment, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est pour les intellectuels. Parce que tous les politiciens là sont des menteurs. On te dit que quelque chose est rouge aujourd'hui, demain on te dit que c'était noir. On t'avait dit que c'était noir. Et on te démontre que hier, comme on t'a dit que c'était rouge là, c'était plutôt noir qu'on t'avait dit. Et tu vas accepter. Voilà pourquoi moi j'observe moi seulement les politiciens. Ce qui m'a. Plus c'est que Valsero se bat pour avoir son passeport. C'est pour moi particulièrement, c'est un acte vraiment apprécié. Parce que beaucoup de nos jeunes frères qui ont réussi à quitter le pays sont arrivés là-bas, changer de nationalité pour nous faire comprendre que le Cameroun c'est l'enfer. Que vivre au Cameroun ou être Camerounais, c'est une erreur. Mais Valsero nous fait comprendre que, gars, c'est le plus beau pays au monde, dont nous sommes fiers de vivre au Cameroun, d'être Camerounais. C'est un exemple à suivre. C'est pour cette raison que je félicite Valsero, le général Valsero. Et derrière ça, derrière le combat du général Valsero pour avoir son passeport, je parle bien de pour avoir son passeport, j'ai appris beaucoup de choses. C'est derrière ça que j'ai appris que. Quand tu as double nationalité, pour ceux qui prennent même 5 nationalités, même 4 nationalités, quand tu as double nationalité, tu ne peux pas avoir plus de 1000 mètres carrés de terrain au Cameroun. Je ne sais pas si c'est appliqué ou bien si c'est seulement sur les textes. Bon, là, ce n'est même pas important. Ça, on manque quand même quelque chose dans mon vocabulaire. J'ai aussi appris autre chose. Pour nous qui n'avons même pas encore de passeport, parce que je ne sais même pas où on fait ça, bon, le moment va arriver. Ce n'est pas encore le moment. J'ai aussi appris que quand tu as le passeport, quand le délai reste 6 mois, ce n'est plus valide. Oui. Donc, il faut tout faire pour que, avant les 6 mois, tu as déjà renouvelé ton passeport. C'est ce que j'ai aussi retenu. Et c'est waouh! On dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Grâce à ça, nous on a aussi découvert d'autres choses, on a aussi compris d'autres choses. Mais il y a une vidéo qui circule sur Facebook depuis, et c'est comme ça les Camerounais. Quand tu es dans les difficultés, il fait semblant de compatir ta douleur. Donc il fait semblant d'être avec toi. Il y a un monsieur qui prend le passeport et présente que voici mon passeport. Ça me sert même à quoi? Dans la même vidéo, il dépose le passeport encore valide. Il reprend. Le passeport périmé, il déchire. Il déchire. Mais ce qu'il a ignoré, c'est qu'il y a les experts par derrière qui regardent la vidéo, analysent la vidéo et comprennent la gestuelle dans la vidéo. C'est-à-dire qu'il prend le nouveau passeport, il présente et que ça sert à quoi le passeport camerounais. Je suis camerounais, ça me sert à quoi? Il dépose, il prend l'ancien et déchire. Mon frère, c'est à toi-même que tu fais du mal. Hein. Tu te moques de toi-même. On le vous appelle les soulas, les traîtres. Donc tu fais croire aux autres que ton passeport ne te sert à rien. Tu déchires l'ancien passeport pourtant.
ton passeport qui est valide là, tu as déposé à côté. Il y a les Camerounais qui sont nombreux comme ça. Tu es dans le trou. Il a l'échelle à côté qui peut porter et mettre là que tu grimpes, tu sors du trou. Mais il laisse l'échelle. Il fait semblant comme s'il veut t'aider. Il se place là, il envoie la main. Il dit que ouais, ma main ne peut pas arriver. Il voulait vraiment t'aider. Ouais, mon frère, je voulais vraiment t'aider, mais ma main n'arrive pas. Toi, tu es dans le trou. Tu as comme impression que ouais, voilà vraiment mon frère qui veut m'aider. Mais il n'y a pas moyen, il n'y a pas possibilité. Pourtant, il y a l'échelle. À côté, là, s'il porte l'échelle, il dépose, là, tu grimpes ses mains, il enlève l'échelle, il te sauve la vie. Ils sont nombreux comme ça. Vous êtes comme ça, les Camerounais. Vous faites semblant d'aider, de compatir, de partager la douleur de votre frère en vous moquant de lui. Bref, ma vidéo n'était pas pour entrer dans les détails, les débats et tout le reste comme vous faites. C'était juste pour donner mon soutien au général Vassero et dire merci, mon frère, de continuer à valoriser le Cameroun. Parce que le fait de réclamer ta nationalité est la preuve que non, le Cameroun, c'est un beau pays. C'est le meilleur pays au monde. Quel qu'en soit que l'huile est chère au marché, que oh, on a mis le papa là, encore là-bas. Le Cameroun reste le meilleur pays. Vous acceptez, vous refusez, ça reste le meilleur pays. Partagez-moi la vidéo, les gars. C'est une histoire de quoi? J'espère que tu es nouveau. Si tu es nouveau, si c'est la première fois de tomber sur ma vidéo, abonne-toi. Ou bien. Ok. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, et très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.